Oi. Petit épisode en complément de celui que j'ai tourné un peu plus tôt. Changeons la partie. Il va être très très court. On sera plus, on va dire, une conclusion à l'épisode précédent qu'un autre épisode à proprement parler, même ça reste une vidéo à part. L'objectif, ça va être qu'on réessaye le défi de combat qu'on avait fait la dernière fois, qu'on n'a pas réussi à terminer à proprement parler avec le maximum de score, enfin la meilleure récompense. Donc on va réessayer ça, on va prendre un petit peu de temps là-dessus. Et une fois que ce sera fait, si jamais on arrive à le faire, on partira sur l'organisation de la liste de Persona. Et peut-être qu'on partira aussi du Memento, histoire d'être dans le monde réel pour attaquer la prochaine session, qui pour le coup sera une session sociale, si tout se passe bien. Alors, ah oui, on avait essayé une autre tactique pour le défi de combat, qui se basait sur le fait que Morgana, qui doit terminer au maximum les ennemis, porte la ceinture de canicule, qui lui donne du coup canicule, à savoir une compétence physique très forte. On va essayer de capitaliser sur cette même tactique, parce qu'il manquait quelques milliers de points. Et rien qu'avec la première manche du combat, si on peut faire plus de dégâts avec Morgana, on peut assez rapidement arriver à faire une bonne partie de ses points, j'imagine. Parce qu'on a terminé pas mal de gens avec des Magarulas, des choses comme ça. Alors, on va enlever l'anneau de brise qu'on a ici. Le saut d'un berserker augmente l'agilité pendant 3 tours. Guérise les altérations non spéciales des alliés. Ah, en fait, ils ont deux effets ces trucs. Ils ont un effet avec la compétence et puis un effet automatique. Ah, cool. Génère une barrière qui évite toutes les attaques. Sauf absolu. C'est incroyable en fait. En vérité. Augmente la défense de tous les alliés. Annule les faiblesses. Absorbe une attaque de n'importe quel élément. Sauf absolu. Ok. On n'est pas censé en avoir encore un autre. Genre. Genre du champion. Ah, il est peut-être sur un de mes persos. Ah, c'est la luxure. Trophée du champion. Utiliser une compétence à combo redoutable. Redoutable. Une compétence à combo. Version de PV moyenne sur un allié et augmente l'attaque pendant 3 tours. Ok. Ok, parce que l'anneau de brise, je suis pas convaincu, mais ça nous donne quelques possibilités. Mais augmenter l'attaque. J'aimerais capitaliser en augmentant l'attaque de Morgana. Et qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre? Baisser la défense des ennemis aussi. Augmente l'attaque. Trajet. Augmente la défense. Visiblement, j'ai personne pour le faire. Est-ce que j'ai un Persona qui pourrait faire ça? このペルソナですね。このペルソナですね。これですか? Augmente la précision, l'esquive de tous les alliés. このペルソナですね。このペルソナです。こちつこれですか?
Mazakunda. Réduit la précision, l'esquive. Là aussi. Envoie les dégâts magiques. Non, j'ai pas de. J'ai pas l'air d'avoir cette compétence. C'est vrai que je privilégie beaucoup le fait de baisser la l'attaque, un peu la défense. Sinon, tant pis. Hein. Peut-être que l'augmentation d'attaque suffira à faire des merveilles. Hein. C'est baisser l'attaque. Hein. Précision esquive. Réduit l'attaque. Toujours les mêmes. Mur devant. Augmente l'attaque. Après, je suis bête, j'ai le. Ah, mais si c'est sur un seul, ça va être moyen. Réduit la défense de tous les ennemis. Ah! Allez, bien. T'es engagé. J'allais dire, j'ai un des personnages bijoux là. Qui est basé sur. Pas Régent, je crois, le deuxième. Mais c'est sur un seul ennemi. Du coup, c'est moyen. Ok. Essayons avec ça en plus. Et si ça suffit pas, ça sera d'autres choses. Il nous manquait, je crois. Bah, c'est marqué notre meilleur score. Moins de 3000, hein. Il ne manquait pas grand chose. Ça suffira. Alors. Augmente l'attaque de meunier. Je fais un truc psy sur un seul mec d'ailleurs. Non. Au final, ça a touché qu'un seul mec, moi ça me va. Là, il a son attaque qui a augmenté. Ça suffit pour one shot, j'espère. Ah, mais j'ai oublié de baisser la défense ennemie par contre. Ah mince. Je suis bête. J'ai pris un persona pour et j'ai oublié de le faire. On va recommencer vite. En tout cas, j'ai déjà dit, mais c'est sympa ces petits puzzles là. Il y a beaucoup d'éléments de la même nature dans un tour donné parce qu'ils s'amusent à mettre 4 combattants parfois. Chaque combattant a 1 million d'éléments maintenant et ainsi de suite. Mais vu que les scores sont pas non plus trop élevés à atteindre, pour le moment en tout cas, c'est assez encourageant. Du coup, Oni, il est où mon petit punk là? Réduit la défense de tous les ennemis.
mon pré-shot, si on n'arrive pas à le finir en un tour, le flambi là. Est-ce que l'amnésie reste même si il a tenté d'utiliser une compétence? On va voir. Oui, ok, c'est cool. Il s'en fiche du vent. J'ai peur de le buter en fait. Si je l'attaque avec le point faible lui. Ok. Si on prend lui qui va être le plus relou. Et pas le psy. Le problème c'est que lui il va renvoyer par contre.
Qu'il est pas mort. Bon, moyen de le buter sans buter les autres. Ce qui ne va pas marcher parce que je pourrais pas passer le bâton du coup. Du moins elle va forcément mourir à cause de moi. On va espérer que ça ne s'habite pas. Des autres. Ok, c'est bon. C'est bon, on peut quand même faire un bon petit finish là. On est à 50 000, excellent. Cool. Je suis content parce que ça nous fait utiliser aussi des accessoires que et des compétences que j'ai pas utilisées jusqu'à présent. Celle de l'anneau de Kamoshida là. C'était Kamoshida, c'était comme ça qu'il s'appelait, hein, de l'entraîneur en tout cas du premier donjon. La récompense du deuxième défi aussi, hein, qui donne canicule. C'est bien bien cool. Alors et on a gagné. Chaîne de Rasetsu. Chaîne en spirale, imbue d'un esprit diabolique. Ce qui permet d'avoir Matalu Kaja. Augmente l'attaque de tous les alliés pendant 3 tours. Ok. Excellent. On a Makoto pour la thune. Ryuji pour l'XP. Après, limite, ça c'est pas mal. Parce que j'avais pas vu du tout dans la description, j'avais pas lu les descriptions en dehors des descriptions des effets ici, des compétences. J'avais pas vu que les anneaux comme ça un peu spéciaux, ils ont un passif en plus de la compétence, du fait de donner une compétence. Ok, excellent. Et bah du coup on va juste organiser rapidement les personnages et puis on va s'arrêter là pour cet épisode. Hein. C'est un épisode beaucoup plus court. Donc, je vais juste vraiment mettre une petite conclusion sur ce qu'on a entamé dans les épisodes précédents. Les personnages. On va enlever quelques-uns. Bonjour monsieur. Déjà. Licorne. Allez, licorne un peu. Alors. Chaise électrique. Anneau nucléaire. Anneau de bénédiction. Kuga. Alors moi je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin de la mort. La mort je l'ai pas. Le diable hein, je l'ai pas non plus. L'empereur je l'ai pas. L'étoile hein, l'étoile je l'ai pas. La roue donc la caissière on y touche pas. L'ermite je l'ai pas. Et la justice donc principauté on y touche pas non plus. Tous les autres ça peut jarter. Les autres ça peut jarter. Je vais essayer de faire ça d'apprendre
Steam électrique. Mama. Putain, ce bing. Bon. On va regarder ça. Est-ce qu'il y a des trucs. Ah non, ça. J'allais dire, je vais essayer de faire ça vite. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Tac tac, il y a deux là. Parce que dans quelques minutes, faut que j'y aille. Des ennemis subissant des altérations. Double puissance des compétences à effet de passif d'absorption. Compétence bénie. Les yeux ensanglantés. Allez. Endormir. Confus. Compétence électrique. Augmente l'attaque d'un allié. Bonjour monsieur. Enchanté. Ravi de vous rencontrer. Niveau supérieur tous ici, on est extrêmement content pour vous. Stimulation des armes forces et compétences d'armes à feu de 25%. C'est mignon. Oui, c'est vrai parce qu'il y a cette compétence là du coup. C'est rigolo. Dégâts maudits moyens sur tous les ennemis. Apeurer. Étourdir. Confus. Endormir. On va enlever le confus. Précision esquive. Meilleure chance d'infliger les altérations à un ennemi. Ok. Félicitations. Les autres, on va attendre. J'ai pas le niveau. Même lui, hein, il va sûrement sauter. Alors, j'ai pas le niveau, mais bon. Faut quand même que j'en élimine, là. Alors, en même temps, j'ai le Oni qui est... Me fait traîner de la patte. Ah, je peux faire un l'étoile. Allez, go l'étoile. Go l'étoile. Augmente les chances. Vise par deux, psy. Ok. Vas-y. Garde ton truc. De pouce. C'est un grand n'importe quoi. C'est mon personnage étoile. Alors, j'ai l'étoile, le pendu, la papesse, le juge, la justice, faut que je le garde. Les deux là, c'est la mort. Alors, 8 et 1. Stimulation d'armes. Anneau nucléaire. Ouais, anneau nucléaire, j'ai déjà. Ah mince. Dans l'autre ordre. Hop, hop. Meilleure chance d'infliger des altérations. Voilà la place de ça. Agidine. J'ai rage. Ouais. Allez.
Ok, donc j'ai la justice et la roue et l'étoile. Peut-être ça, j'ai un soleil, un chariot qui se balade. Est-ce que j'ai assez de place pour le reste? Il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5 en plus. Il y a assez de place. Cavalier blanc. Enregistre. Ok, alors. Par arcane, uniquement ce que j'ai. On a dit. L'empereur, oui. L'empereur. La justice, j'ai déjà. L'ermite. La rouge, j'ai déjà. La mort. Le diable. Et je crois que j'ai tout. On va vérifier. Hop. Non, peut-être. Alors, on a dit Death, donc la mort, j'ai le motard de l'enfer. Devil, le diable, j'ai Lilim. J'ai pris les plus chers parce qu'on avait de la thune, hein, mais au pire, on revendra des trésors. Donc le diable, on a dit, c'est bon, on a Lilim. Empereur, l'empereur, on a Thoth. Star, l'étoile, on a Kaiwan. Fortune, ou la roue de la fortune, on a la Kessis. Ermite, l'ermite, on a Alaabaki, qui sera un nouveau confident, du coup, l'ermite. Et justice, nous avons principauté. Magnifique. Qu'est-ce que c'est? Dans le doute, parce que je sais pas s'il y a une scène qui se déclenche ou quoi, on va sauvegarder ici, on va s'arrêter là. Et du coup, prochaine fois, on reprendra nos activités sociales, la suite de l'histoire aussi, avec Futaba qui doit se remettre, et des confidents, des activités, bref, le plaisir quoi. D'ici là, portez-vous au mieux, des bisous, bye.